jeûne intermittent, genre ou le jeûne, waouh, c'est génial et tout. Ça a rien de génial. Salut frérot, aujourd'hui on va voir un truc hyper important. On va voir comment bouffer. Bon là tu te dis, qu'est-ce qu'il raconte ce charlatan? Je sais comment bouffer. T'inquiète. Aujourd'hui je vais t'expliquer combien de calories, lipides, protéines et sucre, hop, en lien avec la vidéo de la semaine dernière, tu dois ingérer dans ton corps pour que ta machine elle fonctionne au mieux. T'aies des bonnes fers, pour que t'aies des bonnes paires, pour que tu te sens bien, pour que tu sois en pleine santé. Donc voilà, et je t'ai fait un petit cadeau, programme personnalisé de bouffe juste pour toi. Donc si tu restes pas jusqu'à la fin de la vidéo, eh bah tant pis pour toi mon pote, allez c'est parti. Donc pour définir ton besoin de calories par jour, il faut que tu définisses deux choses. Un, ton métabolisme de base, et deux, ton niveau d'activité physique. Bon alors, métabolisme de base, c'est pas compliqué. Tu dois juste savoir si t'es un homme, une femme. Les délires de genre, on s'en bat les couilles ici. Tu choisis, bim boum, t'as deux formules. Voilà, donc je prends mon exemple. Je fais 78 kilos, je fais 1m83. Donc tu remplis les formules, je suis un homme. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, tac, 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 tu mets tout ça. Quand t'as mis tout ça, super calculateur, il calcule ton métabolisme de base. Ok, c'est jusque là, c'est très simple. Deuxième question, on appelle ça le NAP. Le NAP, c'est quoi? C'est ton niveau d'activité physique. Voilà, quotidienne. Donc, en gros, est-ce que t'es le genre de mec à rester sur ton canapé, à rien faire, à bouffer du Nutella et à pas bouger? Et en plus, t'as un travail sédentaire ou t'es étudiant. Donc voilà, ça pue du cul. Donc là, dans ce cas-là, tu vas avoir un petit score. Ou alors, t'es un guerrier et tout. Et là, tu tapes des grands marathons. Et en plus, ton métier, c'est d'être bûcheron en Alaska. Là, mon pote, t'exploses le score. Là, t'as ton NAP. Non, ton métabolisme de base et ton NAP. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir ton besoin de calories journalier, tu vas les multiplier. Et voilà, et là, tu as obtenu ton niveau d'apport calories journalier. Ok, donc là, maintenant, tu as juste un choix à faire. Est-ce que tu veux prendre du muscle, perdre du gras ou tu veux rester comme t'es? Ok, c'est juste que quand tu vas vouloir prendre du muscle, il va falloir que tu manges plus de calories. Ça va être entre 300 et 500 calories en plus par jour. Et si tu veux perdre du gras, bah c'est l'inverse. Tu vas manger 300 à 500 calories en moins. Maintenant, il faut qu'on définisse ton apport en protéines, en lipides et en sucre par jour. Ok ? Donc, c'est très simple. La protéine, on va dire, c'est entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, si tu fais 78 kilos comme moi et qu'on va dire, tu fais pas mal de sport, tu veux prendre un peu de muscle, donc 2 grammes de protéines. Donc, tu fais 78 fois 2, ce qui fait 156, ok? Donc ça veut dire que par jour, j'ai besoin de 156 grammes de protéines pour aider mes muscles à leur reconstruction musculaire et à prendre des gains. Après, pour les lipides, c'est à peu près 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc très simple, 1 gramme, je fais 78 kilos, 78 grammes de lipides. Et le reste, c'est quoi? Eh bah, c'est le sucre. Ah bah voilà, là, tu vas pouvoir te goinfrer de glucides, donc tu peux être content. Donc là, ça veut dire que typiquement, si tu en as beaucoup de glucides, ce qui est mon cas, ça veut dire que tu vas pouvoir bouffer du riz, tu vas pouvoir bouffer des pâtes, et tu vas même pouvoir te taper des petites sucreries par-ci, par-là, ok? T'es content, mon pote? Bien, alors maintenant, si tu as bien tout suivi dans la vidéo, normalement, tu sais combien de calories il te faut et combien de macronutriments il te faut par jour pour que tu fonctionnes parfaitement. Dans la première étape, c'est d'aller sur mon calculateur sur mon site, tac, 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 tu calculais et tu as tes résultats. Deuxième étape, je t'ai créé un Excel super top où en gros, tu vas avoir une journée détaillée de diète. Cette journée détaillée de diète, pour chaque aliment qu'il y a dedans, tu vas pouvoir changer la quantité. Et du coup, tu vas pouvoir adapter ton nombre de calories et ton nombre de macronutriments qu'il te faut par jour avec les aliments que je t'ai listés dans cet Excel. Dernière étape, je vais t'emmener dans mon repère où est-ce que je mange quasi tous les midis et où c'est un repas vraiment équilibré. Et comme ça, tu vas pouvoir te rendre compte de sans calculer en fait précisément chaque aliment par gramme, tu vois, ça peut être un peu chiant. En fait, je vais évaluer avec cette assiette combien de macros, combien de calories ça va m'apporter et ça va te donner un bon repère, je pense, pour toi. Si tu as du mal encore à savoir combien de calories, combien de macronutriments ça peut t'apporter une assiette classique du midi. Voilà, ok? Allez, suis-moi, mon pote. Chicken bun rice, potato, and more chicken.
Ah oui, j'en profite pour te faire une petite parenthèse, parce qu'il y a un espèce de mythe qu'on voit pas mal sur YouTube du jeûne intermittent, genre ou le jeûne, waouh, c'est génial et tout. Ça n'a rien de génial. En gros, tout ce qu'il faut savoir, c'est ton besoin calorique par jour, et il faut que tu le remplisses. Que tu le remplisses en fait avec 1, 2, 3, 5 repas, c'est la même chose. C'est juste que tu vas être plus longtemps en digestion, ou quasi en permanence en digestion avec 5 repas, alors que si tu en manges 1 ou 2, tu as une période de jeûne, donc ça permet un peu à ton système digestif de se reposer. Après, l'avantage du jeûne intermittent, c'est que tu as apporté en fait un maximum de macronutriments autour de ton entraînement. Tu vois, je vais prendre mon exemple. Je m'entraîne en ce moment sous les coups de 17h. J'ai rien à bouffer en ce moment, du coup, j'attends en fait 12h30 pour aller manger mon assiette dans mon repère. Et du coup, ça fait que je vais pas mal manger autour de mon entraînement. Tu vois, je mange à 12h30. Après, je vais me prendre une petite collation à 16h, 16h30. Tu vois, un truc sympa, un peu dur. Et après, je vais m'entraîner et je vais pouvoir manger quasi tout de suite après un bon gros repas. Et vu que j'aime bien bouffer des gros repas, en ce moment, ça m'arrange. Mais voilà, il faut vraiment que tu te casses le mythe pour ceux, hein, pour ceux qui l'auraient. Tout le monde ne l'a pas. Mais du jeûne intermittent, et voilà, c'est génial, tu vas sécher ou nanana. Non, toujours combien de calories tu vas manger, combien de calories tu vas dépenser, et ça s'arrête là. T'as pas de truc mystique autour du jeûne. Voilà, frérot. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté des connaissances utiles pour que tu progresses dans ta diète, dans tes performances. Et puis, on se dit à très bientôt pour ma vidéo sur le challenge 30 jours. Avant de te laisser, vu que j'ai mis un peu de temps pour sortir cette vidéo, j'avais dit que je devais la sortir la semaine d'après de la vidéo sur le sucre. Quoi, j'ai pas pu la sortir, c'est parce que j'étais en Thaïlande et du coup, je t'ai fait un petit montage, une petite minute sympa, tu vas kiffer. Donc écoute, tu peux te barrer de la vidéo si tu veux, et puis sinon, abonne-toi pour me suivre et enjoy le petit montage. Allez, peace frérot.